Bonjour à tous, et oui, je me suis décidée à faire une petite vidéo aujourd'hui. Ça va pas être une création complète, c'est juste que je suis en train de refaire ce collier en fait. Et en fait, je dois refaire une maille, enfin une chaîne en maille Saint-Pétersbourg. Donc là, elle est un peu pimpée. On va d'abord regarder comment on fait cette chaîne de base. Et ensuite, je vous dirai comment elle est pimpée avec des perles donc toutes de la même couleur, mais de tailles différentes. Donc là, on va partir avec des rocailles, hein, des taux toutes basiques. J'ai qu'une seule couleur, désolée, donc je vais bien expliquer pour bien faire comprendre. Ça aurait été plus facile avec deux couleurs. Mais comme je ne suis pas chez moi et que j'ai juste ça, ben on va faire comme ça. Mais donc voilà. Je trouvais ça intéressant pour une fois. Ça fait un moment que je n'ai pas proposé quelque chose. Donc ce que vous allez faire d'abord pour commencer, c'est que vous allez prendre une perle et vous allez la faire descendre vers la fin de votre fil et la bloquer en repassant. Sinon, le reste va partir. Donc voilà, on a une perle qui bloque le travail, on peut commencer. Donc, pour commencer, nous allons prendre sur notre aiguille 6 perles de rocaille, sans trop se soucier donc de quoi que ce soit. Donc, 6. Je les fais descendre sur la fin de mon fil. Et là, je vais venir repasser pour faire mon cercle dans les deux du milieu. Donc, hop, je tire mon fil et j'en avais mis. Ah, j'ai louché. J'ai louché avec la dernière de la reine. Allez, on recommence, on aime bien. Hop. Donc, après ce faux départ, je disais donc. On oublie celle-là, faites pas comme moi. C'est pour ça, si vous en avez des différentes, mettez-en une qui a absolument rien à voir, comme ça vous ne ferez pas avoir. Alors, donc les deux du milieu, ce sont celles-ci, si cette fois je me trompe pas. Hop. J'ai un espace très restreint, vous êtes posé sur une boîte, je suis pas du tout le pied pour faire un tuto, mais bon, allez, on s'entête. Donc voilà, je fais redescendre tout correctement. Donc j'ai ça au départ. Et ensuite, donc la maille basique, enfin vraiment le basique du basique Saint-Pétersbourg, quand on utilise toujours des perles de la même taille. Là, si j'avais une autre couleur, j'en aurais pris une autre pour bien vous faire voir, mais bon. Donc là, vous allez prendre une seule perle sur votre aiguille et vous allez venir repiquer par là où vous êtes exactement maintenant, mais vous n'allez pas redescendre dans les quatre perles qui restent, juste dans les trois. Donc, techniquement, il y a les deux dans lesquelles vous venez de repasser et celle qui suit. Comme ceci et vous descendez. Donc là vous êtes là et on veut repartir par ici et donc là vous allez prendre une autre perle que vous allez mettre sur votre aiguille et vous allez repasser dans les deux qui restent. Et en fait nous venons de faire le premier mouvement, on va dire en quelque sorte la première base, et on recommence. Et à partir de là, on prend 4 perles sur son fil. Et tout ce que je vais vous montrer là, c'est ce qu'on va faire vraiment à chaque fois. Donc 4 perles sur son fil, on les fait redescendre jusqu'en bas. On repasse en cercle dans les deux premières qu'on a mis. Donc pas celle-ci, mais ces deux-là. On peut céder en maintenant son fil, mais après vous inquiétez pas, ça va se remettre en place. Hein. Hop. On cale bien. Et on reprend une perle sur son aiguille. On repasse par là où on vient, d'où on vient, pardon. Et on passe donc dans les deux qu'on vient de repasser. Ça fait beaucoup de passer des aides. Donc on repasse dans les deux qu'on vient de bloquer et dans la troisième pour se retrouver en bas du travail. On fait attention à sa perle
Et après, voilà, tout va dépendre des perles que vous allez utiliser en haut et en bas, en fait. Mais vraiment, ça peut être une maille très sympa. Vous voyez, là, avec des perles dorées, on peut faire des trucs de, enfin, des chaînes de collier assez intéressantes. Ensuite, on reprend une perle sur son aiguille et on va passer dans les deux qui restent. Et ça y est, un autre module est complété et on recommence. On en refait encore quelques-uns ensemble. On reprend quatre perles sur son fil, sur son aiguille, son fil comme vous voulez. Hop. On les fait descendre. On repasse dans les deux premières. Fait attention à pas choper le fil qui pendouille. Hop. On prend une perle. Et là, normalement, vous êtes deviné où on va passer. On repasse par les deux qu'on vient de sceller et la troisième qui suit. Et on tire. Et on en reprend une. Et on en fait un dernier. Et après, on passe au mode pimpé sympa chaîne que j'aime beaucoup utiliser personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, pardon, j'ai oublié de dire, on en reprend une et on repasse dans les deux et on en remet quatre. Et c'est vraiment la base de la base, quoi. Après, il y a des variantes selon l'effet qu'on veut donner. Donc, j'en ai remis quatre, je repasse dans les deux premières pour fermer en cercle. Je tire bien pour que. Voyez là, c'est pas bien tiré. Il y a de l'espace, ça va m'embêter. Alors j'ajuste en m'aidant, en tirant sur mes fils un petit peu. Tac. Et je viens fixer ça en prenant une perle, en repassant par les deux où je sors, plus la troisième qui suit. Et voilà. Je tire, je reprends une perle et je repasse dans les deux pour recommencer ma chaîne. Donc voilà, c'est la base de la base. Vous avez, c'est la base de la maille Saint-Pétersbourg. Après, il y a plusieurs variantes pour faire en face et tout. Là, je voulais juste vous montrer ça tout simplement pour vous montrer ce que je veux faire après. On n'est pas sur, comme je dis, sur de la création. Donc je me pose 2 secondes, je prépare les perles et on continue. Alors, nous y voilà. Je vais, comme tout à l'heure, reprendre une perle pour la mettre à la fin de mon fil pour bloquer le travail. Mais vous avez vu que donc ça bouge encore un peu. Après, c'est pas grave, ça s'en rajustera ça quand on se servira de sa chaîne. Et donc, pour pouvoir faire la chaîne comme je veux, moi, on repart sur la même base du début. On en prend 6. 6. On se fait pas avoir cette fois, on descend jusqu'au bout et on repasse dans les deux du milieu, donc dans notre compte de 6, donc dans celle-ci. Je tire correctement pour placer tout le monde, hop, et c'est là où la variante va arriver parce que oui, pardon, je commence et je parle même pas. Donc vous voyez qu'il y a 3 sortes de perles. Il y a des 15-0, des 11-0 et des 8-0. Et c'est avec ça qu'on va faire la variante. Ce sont toutes celles de la même couleur. Moi, c'est des Starlight. Hein. Et donc du coup, c'est avec mes 15 et mes 8 que je vais faire la petite variante et que ça change un petit peu l'effet, le relief de la chaîne, je trouve. Et ça qui est sympa. Après, vous pouvez utiliser des couleurs différentes. Hein. Moi, c'est juste parce que j'aime bien ce côté bijou, enfin, comment on dit? Chaîne, on dirait, voilà, une chaîne en là, une chaîne argentée, et là je suis en train de faire une dorée, je trouve ça sympa. Donc, pour la pimpée, j'arrête de parler parce que vous allez perdre le fil. Donc, on a dit qu'on a mis 6 perles, on est repassé dans les deux du milieu, et pour modifier un peu l'aspect, c'est pas une 11-0 que je prends cette fois, c'est une 15-0 que je mets sur mon aiguille.
Et comme tout à l'heure, je vais repasser dans les deux que je viens à peine de sceller et dans la troisième qui suit. Et je tire. Ah oui, j'ai une bonne quantité de fil parce que je vais me servir de cette chaîne après, donc j'ai besoin de fil. Je place, voilà, ma petite perle correctement, si elle est un peu tordue, voilà. Et ici, pour la variante bis, je prends une 15-0 et une 8-0. Et je passe dans les deux perles restantes pour me placer pour recommencer ma base. J'ai vraiment des ongles dégueulasses. Je pensais avoir mieux nettoyé que ça, mais pas du tout. Les joies de faire de l'émerie en bijouterie. Donc voilà. J'ai pimpé ça et je recommence avec 4 rocailles 11-0. Je fais descendre les perles en bas de mon long fil. Je ne sais pas si vous entendez la mouche, mais elle est en train de m'énerver. Il va avoir du karaté dans 5 minutes, vous allez voir. Hop là. Donc on en est là. Et je repasse dans les deux premières, comme ceci. Je ferme mon cercle. Je tire, je tire, je tire, je tire. Je me coince le doigt, sinon c'est pas drôle. Je tire, je place tout le monde correctement. Et donc là, je prends une 15-0 sur mon aiguille et je viens repasser dans les deux à peine traversées et la troisième qui suit. Je tire vers le bas, je tire, je tire, je tire, sans faire de nœud. Et je prends une 15-0 et une 8-0 sur mon aiguille et je repasse dans les deux et je continue ma suite. Alors, c'est vrai que les premières mailles, ça paye pas de mine, mais moi, j'aime beaucoup. Alors, ensuite, non, c'est pas toi que je veux. On reprend. Non, décidément, toi, va-t'en, tu es bouché, tu vas m'énerver. On reprend 4 perles. En 0. On refait descendre. Et on repasse dans les deux qui suivent. Les deux premières. Vous voyez, c'est très fin, ça se prend très 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 vite une fois qu'on a compris. Puis c'est très c'est sympa à faire, moi j'aime bien. Autant je suis pas très fan des tissages trop compliqués où il faut réfléchir toutes les 30 secondes, mais là en fait il y a trois mouvements à retenir. Ensuite, une 15-0, je repasse dans les deux à peine traversées et je chope la troisième. Et en fait, après vous pouvez mettre plus de perles, mais du coup réfléchissez dans combien vous descendez en fait. C'est en fait il faut laisser libre, enfin si vous par exemple il y en avait deux de plus, bah, vous repasserez dans quatre perles ou et vous laisserez peut-être pareil la dernière ou vous voulez des brins un peu plus longs donc vous repasserez pas en entier, enfin attendez, il faut que je me concentre pour expliquer correctement, mais en gros là c'est pour avoir une maille assez compacte, assez serrée avec pas beaucoup de mouvement. La maille Saint-Pétersbourg, vous pouvez vous amuser avec un nombre de perles plus long, faire des bras plus longs, faire un, je sais pas, un sapin, un truc comme ça. En fait, après, c'est voilà, il faut calculer les perles quand même pour se rattraper toujours au même endroit pour que ce soit régulier, mais vous pouvez laisser plus de fantaisie, on va dire, dans ce qui pend. Là, vraiment, c'était pour ce motif-là, comme je disais, moi, ce que je veux faire moi avec mon prochain collier, que j'en profitais de vous filmer, mais il y a d'autres, plusieurs variantes. Et donc, du coup, je finis quand même le mouvement. Une 15-0, une 8-0, et je me replace dans les deux qui restent pour repartir pour la suite. Voilà. Donc c'est pas grand chose, hein, c'était juste un petit truc technique et je vous montre quand même. Alors mon collier n'est pas fini, mais je vous montre quand même quand la chaîne est plus conséquente, ça peut être vraiment vraiment sympa. Et pour ensuite attacher par exemple un anneau et un mousqueton, j'ai simplement ajouté quelques perles et j'ai fermé plusieurs fois en cercle et je suis repassée par là. Donc voilà, enfin, on peut pas besoin non plus de réfléchir trop selon ce qu'on veut faire. On peut faire les mêmes petits hacks que d'habitude. Et donc voilà. C'était juste un petit peu technique du bijou. Ça faisait longtemps que je vous avais pas
proposer quelque chose et c'est chose faite. Voilà, j'espère que ça aurait été assez clair et puis peut-être que je proposerai d'autres longueurs. Mais après, je suis pas une grande fan, moi, vous savez, de tout ce qui pendouille dans les chaînes quand c'est trop fourni et tout. J'aime bien le tissage pour m'en servir vraiment pour une base de quelque chose et pas forcément que ce soit le, comment dire, le tissage le centre de l'intérêt en fait. J'espère que c'est clair. Il est 8h du matin, c'est dimanche, je suis réveillée depuis 3h. Je ne sais pas si je suis bien claire. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!